On est avec Pierre de Zonette. Pierre, on n'a pas vu grand-chose au Croisé la Roche. Malheureusement, Gamble River est parti sur un temps de galop. C'est dommage, là, il est obligé de revenir à Vincennes, où il avait été correct pour son retour à la compétition. Oui, bah, comment ça lui arrive. Ça lui arrive des fois. C'est dommage parce qu'après, ça serait bien couru pour lui. Et c'était en file indienne, et puis bah, il y a eu du train un peu devant. Et bon, bah, il y a eu une chute après, bon, c'est comme ça, mais ça serait bien mis, je pense, comme il démarre vite et tout, quand il démarre bien. Donc voilà, là, il retourne à la scène. Bah, on n'a pas trop le choix des courses, on comprend ce qui vient. Il y a les 6 ans. Les 6 ans, ils sont un peu meilleurs que nous, sûrement. Et voilà, il a une 4-5e chance quand même, et il est pas mal au travail. Ouais, dès lors, s'il peut avoir un bon parcours et figurer à l'arrivée, ce serait pas une surprise pour vous? Non, bah, si tous les trains vont juste courir caché, donc tout le temps pareil, hein, voilà, on connaît. Mais il courait bien avec les bons, là. Il est battu par 4 bons chevaux. Quoi. Il a envie, semble-t-il? Ouais, c'est mieux que l'année dernière, ouais. Il a plus d'envie que l'année dernière, donc là, il est frais, mais voilà, il faut courir caché et il va suivre les autres, mais voilà, c'est pour être 4-5e, je pense.